Vous écoutez Stéréo Local sur CKRL et à la longue entrevue aujourd'hui, on reçoit Keith Kuna. Trois albums avec les Inclassables Ghouls, deux albums en solo, plus Voyage d'hiver, qui est quand même une bibitte dans sa discographie. Il présente justement ce soir au Grand Théâtre la version scénique de son Voyage d'hiver et on l'accueille pour cette grande entrevue. Bonjour Keith Kuna. Bonjour Mike. Voyage d'hiver, le spectacle a été présenté à Montréal avant tout. Comment ça a été dans la métropole? Ah, ça a été merveilleux. Ça s'est super bien passé. Deux belles salles, deux publics survoltés. Je pense que ça a bien passé, oui. Est-ce que tu peux dire enfin, là, c'est fait la première parce que tu Ouais, travailles mais il y là-dessus a un depuis danger, longtemps, c'est là? ça. Faut se garder sur le fil quand même pour Québec parce qu'on a quand même une pause. Quasiment 10 jours entre les deux. Fait que oui, mais c'est une belle étape de fête, oui. C'est sûr que vu que ça a bien été, vu que ça a bien été, c'est encore mieux. On espère que ça aille aussi bien à Oh, il Québec. faut que ça aille super bien à Québec. Faut qu'on fasse quasiment quatre shows, parcours impeccable. Là, on va avoir un petit rush le premier show. Premier show à Québec, c'est entrer en salle le jour même, là, éclairage, test de son, monter le décor. Tout le monde va être ses dents. Hein. Je suis sûr que ça va donner quelque chose de cool. T'as un peu surpris tout le monde quand t'es arrivé avec ce projet-là. Je me demande, est-ce que tu t'es surpris toi-même d'arriver avec cette idée? Oui, mais en même temps, il n'y avait plus ben grand-chose de surprenant. Ça faisait à peu près 4-5 ans, j'en parlais. Ouais, oui, puis non. Je pense que j'ai comme eu un enthousiasme quand je me suis lancé là-dedans au tout début. Puis c'est sûr que ça s'est étiré. Puis ça a été un long voyage, un long parcours. En arriver à présenter le spectacle, c'est vraiment l'aboutissement. Parce que même après le disque, je me disais, ah non, c'est pas fini, tant qu'on ne l'aura pas présenté en show. Mais Ce sera même pas là, ça. tu dis que c'est pas fini parce qu'en entrevue, tu disais que tu le vois le refaire dans 10, dans 15, dans 25 ans, le retravailler encore. Donc, ce n'est pas Ouais, mais fini non plus. la première mouture va être faite. Donc, le reste, ça va être probablement que du plaisir. Je pense même s'il y a eu beaucoup de plaisir dans la création, tu sais, il y a quand même l'espèce de pression de la première fois que tu le fais en spectacle. C'est pas pareil, j'imagine que quand ça va faire 5 ans que je le fais, là, tu sais. Je sais pas, peut-être que même dans 5 ans, je vais être aussi nerveux à l'idée de le présenter. Mais ouais, c'est une drôle d'aventure. C'est un drôle de projet. Puis même pendant le processus, des fois, on se regardait, moi, Vincent, ou avec Martien aussi, qui était là depuis le début. Là, puis on se regardait, crise de projet de Mongol. Là, t'sais. Mais de voir tout ce monde-là, parce qu'on est quand même une bonne gang, puis tout le monde qui pousse dans la même direction pour en faire quelque chose de beau, puis une belle énergie. Fait que c'est enivrant, c'est grisant au bout, mais pas tout le temps à faire des projets de même. Je pense que je vais être dû pour, comme j'ai déjà dit auparavant, décanter ça un peu, puis y aller vers quelque chose de plus. Léger. De plus sans être plus léger, plus spontané, plus rapide, peut-être. Des projets que tu tires pendant 5 ans, ça fatigue un peu au bout du compte, là. J'aimerais peut-être revenir sur le début. Bon, par exemple, sur le site internet, dans un texte, tu dis que tu as une game de hockey à l'écouter, donc tu n'as pas le temps de nous parler de la genèse du spectacle, mais là, on a du temps. Donc, j'ai déjà lu que tu étais dans ta voiture, tu l'écoutais encore une fois, ce voyage d'hiver de Schubert, et tu t'es mis à improviser dessus, donc c'est vraiment comme ça que c'est né. Oui, absolument. En plein été, puis grosse chaleur, bon trafic sur Charest ici, puis je sais pas pourquoi j'écoutais le voyage d'hiver. Ça arrive. Puis c'est ça, je me suis mis à gueuler n'importe quoi. Puis là, c'est là je me suis fait, ah, ouais, ça pourrait être cool. T'sais, au début, c'était vraiment, hey, on va le faire piano-voix, puis au début, c'était un seul des 24 piano-voix. Après ça, tout de suite, ah, les 24, ça pourrait être cool. Piano-voix, puis après ça, pourquoi ne pas de fil en aiguille? Ben, ça a été très rapide. Puis j'en ai parlé à Vincent, puis Martien, puis on s'est lancé là-dedans. Là. Donc, mais c'était quelque chose que tu faisais déjà régulièrement, écouter ces leaders-là? Ben, c'est quelque chose que j'écoute depuis longtemps, ces leaders-là.
régulièrement, non. Mais oui, depuis, je te dirais, j'ai découvert les leaders en 1996. Hein, quand quelque même. Chose comme ça. Là, fait que ça fait. Puis j'étais comme en espèce de drôle de quête de qu'est-ce que j'allais calisser dans la vie. J'étais à Joliette, puis je faisais un an de musique classique. Mais j'avais aucune notion musicale classique, donc j'étais comme... Mais t'es rentré en musique classique oui. à Joliette, oui. qui est quand même un bastion de musique oui, classique. Oui, mais j'ai comme été en mise à niveau pendant 6 mois, juste pour m'apprendre à ce qu'il m'avait appris en maternelle à flûte à bec. Hein, les bases de solfège, puis tu sais, vraiment, je partais de loin. Mais j'avais comme chanté là, pour rentrer là, tu sais, puis le prof, il était écœurant. C'est un vieux monsieur, je pense qu'il s'appelait André Paul Bourret, quelque chose de même. Je massacre son nom, mais lui, c'était vraiment un ténor qui avait chanté partout. Puis c'est un excellent être humain, puis excellent prof. Donc j'étais comme imbibé de chants classiques. Puis j'étais tombé par hasard sur les leaders de Schubert de Winterreich. C'était un livre qui a passé à Radio Cannes, à Radio. Puis j'avais comme flashé. J'avais quelque chose là-dedans qui était venu me chercher. Puis là, j'étais comme parti. À ce moment-là, je m'étais dit, ouais, je vais toutes les chanter en allemand. Finalement, en allemand, rien de en moins, allemand, là. Puis je visais, tu sais, genre, je vais devenir un baryton. Hein, finalement, j'ai lâché la musique classique. Je suis resté là un an. Mais j'ai continué à garder quand même ce cycle-là de leader. Je mettais ça comme fond tout le temps. Là, ben, souvent, c'est comme une espèce de musique pour être relax puis faire d'autres choses, vu que je ne catchais pas un mot de ce que ça raconte. Mais qu'est-ce qu'il venait de chercher là-dedans? La mélodie, puis le côté bien sombre, mais en même temps très sombre, mais beau. Tu sais, je trouvais pas ça déprimant. Tu sais, je trouvais ça quand même... ça se sentait que c'était triste, mais il y avait quand même une luminosité bien intéressante. Puis c'est les mélodies, puis c'est le genre de petites tunes à barre, tu sais, ça rejoint un peu le format, tu sais, de courtes pièces, avec beaucoup de textes, l'émotion, puis tu sais, Schubert, il écrivait des tunes. Il en a écrit beaucoup aussi. Ouais, il en a écrit une méchante gang, là, tu sais, en peu de temps. C'est un fou, incroyable. Mais là, être dans sa voiture, improviser, c'est une chose, se dire qu'on peut le faire, c'en est une autre, et c'est deux mondes. Ouais, monde, ben c'est là. J'ai comme cette qualité, ce défaut de m'enthousiasmer super rapidement, puis plonger dans quelque chose, mais là, ça a été plus ardu, là, tu sais. Les premiers que j'ai comme... Écrit, ça a bien été, là, mais au fur et à mesure que ça s'étirait dans le temps, puis qu'il y en avait 24, puis que là, il fallait aussi qu'il y ait quand même une certaine homogénéité, puis quelque chose, tu sais, sans avoir une trame bien claire, il fallait quand même qu'il y ait une ambiance, puis que ça soit pas trop pizza all dress. Tu sais, il y a eu de la réécriture, il y a des leaders, il y a des pièces que j'avais des textes qui marchaient et qui n'étaient pas pires, mais que j'ai flushé parce qu'il n'y avait plus rapport dans le contexte. Mm-hmm. Puis bon, tout le bordel de la rythmique. C'est pas écrit pour le français. Quand même précis, c'est ça, c'était aussi, pas écrit pour le français. Donc, des fois, pour écrire 10 lignes. Il y en a qui ont été. On sent un travail ardu, là. Non, ça virait fou. Mais puis en plus, ça a été long, puis à travers ça, à un moment donné, justement, ça avançait plus pas en tout, puis je trouvais pas. Ça a été trouvé un réalisateur, parce que ça a été long aussi musicalement aussi. On a travaillé en vase clos. Mais ça, vous en aviez besoin, parce que bon, Vincent Gagnon, Martien, c'est quand même des gens qui sont habitués. Oui, mais il fallait quelqu'un de l'extérieur, parce qu'à un moment donné, on s'est trop collé dedans, puis je pense qu'on justement, on s'en allait vers plein de directions. Parce qu'il manquait. On était trop d'Indiens, pas assez de chefs. Puis moi, je peux pas j'ai pas les notions de musique pour, tu sais,
on va faire ça là, puis ce contre-champ-là. Non, ça, je tu sais, je veux dire, fallait quelqu'un qui ramasse ça, puis c'était pas évident de trouver quelqu'un qui pouvait le faire. Puis deux, qui avaient envie de le faire, puis qui avaient le temps de le faire. Tu sais, puis vu que ça s'étirait dans le temps, puis qu'au travers, justement, à un moment donné, ça avançait plus, puis j'ai dit, bon, fuck, ça fait 3 ans que mon disque des années monsieur est fait. Oui, je vais me faire un petit disque. Pour, tu sais, je faisais plus de show. Tu sais, Mais comment René Lucie est arrivé dans le projet? Ah, ben, je pense que c'est Martien ou Vincent, à un moment donné, quand a évoqué son nom, tu sais. Tu sais, on était rendu à faire un brainstorm de qui pourrait travailler là-dessus. Puis c'est ça. C'est eux autres qui ont évoqué le nom de René Lucier. Puis Martien l'a contacté. Puis oui, il s'est montré intéressé. Puis après, on s'est rencontrés. Puis oui, il a embarqué dans le projet. Puis là, ça s'est mis. Tu sais, je veux dire, c'était bien. Il fallait quelqu'un. Fallait un vent frais, fallait quelqu'un qui... Ok, je un pars, extérieur. Oui, puis il y a quelqu'un qui débarque dans le projet puis qui le prend avec, justement, fraîcheur, tu sais, qui n'est pas là-dedans depuis 3 ans, même, 3-4 ans, tu sais. En tant que René Lucie, ça fitait? Oui, ben, en termes de... Ouais, c'est son genre de singularité de projet, oui. Puis, il est vraiment assuré, hein, tu sais, c'est coordonner tout ça, puis c'est ça, les arrangements avec Vincent a passé énormément de temps aussi là-dedans. Justement, la musique, très influencée par le classique, évidemment, mais il y a beaucoup aussi de musique contemporaine, de musique actuelle. En fait, bon, les puristes du classique, leaders habituels. Non, c'est ça, il y en a qui ne doivent pas aimer. Malgré que, comme à Montréal, on a fait le... Après un des shows, j'avais un monsieur qui est venu me voir, puis il connaissait le cycle par cœur, puis il avait vu des grands chanteurs, piano-voix, pas de gestes. Puis, il adore ce cycle-là. Puis, il dit d'habitude, faut pas toucher. Je suis pas tellement friand des gens qui touchent puis qui défont des œuvres comme ça, mais lui, il a adoré, il a trippé là-dessus. Donc, si tu veux, il m'a pris dans ses bras, puis ouais, bravo. Puis, une madame aussi, fan de Schubert, qui avait vraiment été touché puis ému et tout. Donc, tu fais « wow, cool, all right mm-hmm. ». S'il y a des puristes qui n'aiment pas, OK, mais c'est leur problème. S'il y a des gens qui adorent Schubert et qui adorent ce cycle-là, qui sont émus puis qui sont touchés, ben youpi, je veux dire, tu peux pas rallier tout le monde à un projet comme ça. T'sais. Mais comment ça s'est construit musicalement, justement, bon, de s'influencer du classique, d'y garder quand même des références, tout en pigeant, comme je dis, dans la musique plus actuelle? Ça dépend. C'est comme nous, quand on travaillait en vase clos, Vincent, Martin et moi, on allait un peu... Il y avait une touche plus... métal ou des fois ou plus rock ou plus il y avait beaucoup de styles, tu sais, puis il y a des trucs, tu sais, qu'on réécoute de ce temps-là que tu dis, ah ouais, c'est quand même cool, tu sais, on aurait pu pousser vers là, ouais. Tu pars de quelque chose piano voix, donc tu peux aller un peu n'importe où, mais René, quand il est arrivé, il a dit gardons ça proche des structures, gardons les pièces proche de l'œuvre, tant au niveau structure, puis gardons les mélodies qui ont quand même, ça fait 200 ans que le monde les écoute. Il y a quelque quoi chose là-dedans, tu sais. Donc, il nous a ramené plus près de l'œuvre que de vouloir à tout prix en faire quelque chose. Parce que nous autres, on voulait en faire quelque chose de très original. Et, donc, c'est des choix. Puis c'est ça. Travail de longue haleine. Oui, c'est ça. Puis lui, c'est sûr que lui, en s'amenant là avec la réalisation, c'est clair qu'il allait amener sa touche. Il y a des éléments très, très lucides dans la réalisation. Schubert, lui, était parti de la poésie de Müller. Toi, tu es parti de la musique. Ouais. Mais tu t'es quand même inspiré des propos qu'il y avait là, originalement. J'ai lu la traduction. Je voulais pas faire de la traduction, je voulais pas traiter les pièces, je voulais pas traiter de ce qui traitait dans les pièces nécessairement, disons pour telle, la
5, ça dit ça, tu sais, oh non, tu sais. Je voulais que ça soit vraiment la musique qui m'inspire, mais je voulais rester quand même dans le mood très solitude, errance, désespoir. Ah oui, mort, ce voyage vers la mort, c'est ouais, ça. C'est ça. Donc, hiver, tu sais, je voulais garder l'esprit, mais en même temps, ça allait soit un peu avec la musique, tu sais, la musique appelait ça, tu sais. Mais bon, c'est clair qu'il y a des textes que j'ai écrits qui justement fitaient sur la musique au niveau rythmique, mais au niveau du propos, des fois, fitaient moins, donc il fallait que je le réécrive. Étais-tu dans un état d'esprit similaire ou non? C'était juste vraiment un travail? C'est un travail, je pense. Ben, ça... Non, je n'étais pas nécessairement down, désespéré, suicidaire. C'est un exercice de style aussi, mais en même temps, j'essaie d'aller chercher, d'être vraiment imprégné de ça, puis d'aller chercher dans ces zones-là qu'on a toutes, quelque part. Mm-hmm. Là, donc, qu'est-ce que le désespoir, l'errance, la peine d'amour, puis rester aussi dans un cadre très, très classique aussi comme écriture. Il n'y a pas beaucoup de c'est très carré, c'est très clean comme écriture, c'est fret un peu, même un peu distant. Tu sais, il n'y a pas de grandes émotions. Mais ça colle à l'ambiance. C'est ça. Ouais. Puis il n'y a pas de québécisme, je pense, à part fourré. Mais tu sais, genre, ça arrive une fois. Mais c'est ça, je voulais rester quand même dans quelque chose qui, esthétiquement, soit proche de l'écriture classique. J'imagine, je ne me trompe pas en disant que c'est sûrement ton projet le plus ambitieux que tu as fait. Ben oui. C'est un drôle de mot, ambitieux. Non, mais ça n'arrête pas, on n'arrête pas de le dire. Fait que... Très ambitieux, oui. Mais c'est colossal, disons. Ouais, c'est le projet le plus colossal. Ambitieux, colossal, blablabla. Oui, c'est sûr. 24 tounes, du classique, l'écriture, tout ça. Oui, c'est quand même. Puis là, le show ben était. Oui. Le show, enfin, encore plus loin, c'est encore plus colossal. Le show était de l'ouvrage, beaucoup. Là, puis c'est un projet, ah oui, gigantesque là, en termes de travail et de temps. Là. T'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans. Aurais-tu pu, en fait? Je sais pas, il y a 10 ans, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'étais avec les Ghouls. Ah oui, c'était en plein cœur des Ghouls, en 2005. Plein cœur des Ghouls. Ah oui, la belle époque. Ouais. mais probablement pas. Hein, je pense qu'il fallait que. Mais en même temps, je l'ai fait à travers de tellement d'autres affaires. Mais pas tant que ça aussi. C'est le début du Schubert. Ouais, j'étais peut-être dans une drôle de période un peu en errance. Un peu freak, ouais, c'est 2009-2010. Ouais. Donc, c'est un bon point de départ pour le voyage vert. En le mettant sur scène et en jouant, tu deviens un peu acteur. Il y a une partie de jeu là-dedans. Ouais, ouais. T'étais à l'aise, t'étais partant, lancé. Ouais, je me suis lancé. En même temps, je voulais pas que ça soit trop joué ou trop comédie musicale, tu sais, trop garou. C'est déjà que j'ai un micro casque, mais il en faut pas trop pour être garou. Puis j'ai peut-être des airs de garou des fois, je sais pas. Je vais le voir si j'ai la chance de visionner le show. Pardon. Mais non, je m'y attendais. Je veux dire, dès que c'est mis en scène, puis que. Même avec la mise en scène, on a exploré, puis il y avait. On évoquait peut-être la possibilité qu'il y ait moi, qu'il y avait la danseuse, mais qu'il y ait un comédien qui joue à ma place, puis que moi je chante. Mais finalement, c'était. Je trouvais. Pourtant, l'émotion passe par le chant. Donc, oui, je pourrais le jouer, puis. Puis c'est à force de travailler avec le metteur en scène que finalement tu trouves le ton, tu sais, entre jouer puis ne pas surjouer. C'est là qu'est plus c'est plus flou, tu sais, comme des fois je me suis fait dire ouais, tu pourras en mettre un peu plus, puis en même temps faut pas dépasser l'espèce de
ça devienne trop caricatural. Non. Mais c'est quand même nouveau avec les ghouls. Il y avait une mise en scène, il y avait du jeu, mais c'est pas au même niveau. Là. C'est pas... C'était quand même caricatural avec les ghouls. Parce qu'avec les ghouls, il y avait une mise en scène, mais la mise en scène, c'est uniquement... c'était quasiment des cues. C'était bon, à cette toune-là, il y a ça qui se passe, mais en même temps, il y a ça qui se passe, les figurants étaient quand même libres de leur mouvement, puis il y avait de la place à l'impro, puis à déconnade. Puis, non, là, c'est très, très, très précis quand même. Tu sais, il y a un trajet. En même temps, c'est d'intégrer tout ça pour pas que ça sente trop. Il y a pas mal de choses à penser tout en chantant ces tunes-là. Donc, mais c'est... Il y a un côté théâtral que, oui, il y avait avec les ghouls que j'aime bien. Il y a un côté spectacle que j'aimais bien, que j'aimais... C'était évident quand on faisait les ghouls, on donnait un spectacle. Ben, avec le Schubert, je voulais aussi qu'on donne un spectacle, mais dans un autre ordre. Là, mais t'as pas un bagage d'acteur derrière? C'est vraiment, non, j'ai fait de l'impro. J'ai fait de l'impro pas mal au cégep, puis au secondaire. Là, puis j'avais enseigné le théâtre à des enfants, même si j'avais réussi à trouver une job. J'enseignais le théâtre à des kids pendant quand même 4 ans. Là, j'ai co-écrit puis joué dans une pièce quand j'étais en Europe. Tu sais, ça me... Je pense que j'ai des atomes crochus avec le théâtre, là, mais j'ai pas un grand CV d'acteur, là, non. Est-ce que tu as eu peur de te planter avec le projet, que ce soit l'album ou le spectacle? As-tu eu peur de te planter? Non, toutes. Toutes. Oui. Oui. Pas mal rien que ça, je peux répondre. Oui, ben, avec le disque. Ben, je savais que je le ferais, tu sais. Toujours su que je le ferais, que je le finirais. Je suis quand même assez têtu, là, comme gars. Là. Si je commence quelque chose, hein, je vais tout faire pour le finir. Puis. Mais en même temps, tu sais, un album, c'est du stock, tu sais. Puis. T'as peur du résultat tout le temps. Puis même, on devrait taper un album après avoir joué les tunes en show. 20 fois. Là, on devrait taper l'album à la fin d'une tournée. Là, ça sonnerait comme on veut. Puis le spectacle, ben oui, à 2 mois avant. Il y a 2 mois, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait quasiment rien de fait. Là, ça a été concentré. Puis le monde a vraiment travaillé. Que ce soit le metteur en scène, moi, Vincent, les musiciens, la scénographe, tout le monde qui colle, l'éclairagiste, tout le monde a mis beaucoup du sien, tout le monde croyait beaucoup, je pense, à ce spectacle-là, donc accepter de mettre les bouchées doubles. Donc, ça finit par... Ça finit par se faire, oui, mais quand même de tête, comme toujours. Ta voix, bon, dans les leaders, c'est souvent très lyrique, le chant. Bon, ici, tu n'as pas une voix nécessairement lyrique, mais quand même différente de ce qu'on a entendu habituellement. Est-ce que ça a été long, trouver justement le ton de ta voix, de poser ta voix? Tu parles pour l'album? Oui, ben pour l'album. Ouais. Ouais. Oui. Ben, ça... Je voulais pas les chanter lyriques, c'est sûr. Puis ça a été de l'exploration, dans le fond. Comme la musique. Oui, tu te dis, bon, ouais, ça sonne le cul, je vais l'essayer une octave en bas où on va faire 2 voix. Puis tu cherches. Puis même, il y a des affaires sur l'album que je ne chanterai plus de la même façon. Love, que, à force de te familiariser avec les tunes. Mais je dirais que là, je les chante. J'aime les chanter. Studio, c'était un peu tough, puis c'était au travers, c'était des sessions à travers une série de shows. Donc c'était disparate. Oui, c'était disparate. Ok, bon, je vais faire 3 jours de voix, après ça, on repart en show. Donc, mais ouais, mais ça a été. En même temps, je les ai tellement écoutés, on a tellement fait de maquettes que je finissais par un peu connaître. Ça par cœur, mais il y a des petites affaires que j'ai réussi à corriger plus
en montant le spectacle. Il y avait des lignes, je me rendais compte que je faisais pas la bonne ligne. Je faisais pas la bonne ligne mélodique sur le disque. Mais c'est pas incroyablement différent. Mais c'est en rejoignant les tunes avec Vincent. Ah, ici, non, c'est plus cette ligne-là. Puis effectivement, au début, j'étais comme réfractaire. Ah non, on va garder ça comme sur le disque. Là. Ça ne fera pas chier, finalement. C'est plus beau. Fait que je me suis forcé. Là. Puis... ouais, j'ai pris ça à cœur hein, aussi. Tu sais, je voulais faire le max que je pouvais, même si je sais que mon max, je ne chanterais pas ces tunes-là là, comme un chanteur classique. Là, tu sais. Mais je trouve que les deux shows que j'ai fait à Montréal, je me suis bien démerdé là, pour un chanteur non classique. J'imagine, en fait, tu as dû apprendre des techniques. Tu as parlé tout à l'heure, fait un an classique. Tu as appris des techniques. Bases, ouais, des bases, oui, c'est sûr. Sauf que c'est le genre de... Le chant, c'est tellement de... À ce niveau-là, tu sais, c'est de la pratique quotidienne. Ce que tu n'as pas fait. Non, mais je les ai chantés tous les jours, donc ça a été ma pratique quotidienne. Puis à travers ça, j'ai trouvé des trucs. Tu sais, puis bon, j'ai arrêté, je l'ai encore dit, aussi, j'ai arrêté à clope là, depuis deux mois et demi pour ces shows-là. Pour m'aider. Puis, ça marche. En regardant ton projet Voyage Hiver, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus justement du Kid Kuno, le poète qui parfois se cachait derrière le. Je trouve qu'il y a. Je pense que les affaires les plus poétiques que j'ai pu faire, je les trouve dans les goules. Ah oui? Ah oui. Mais en fait, c'est très poétique, les goules. Il y a quelque chose. On dirait que cette poésie est quand même cachée derrière les références. Moi, quand j'ai début des goules, je tripais parce que moi, je sortais. Je trouve qu'il y a un côté moins je dans les goules, moins personnel, qui peut, plus libre, je trouve, au niveau de l'écriture, que j'aime beaucoup. C'est clair que le voyage d'hiver, c'est je. Là, t'sais, puis oui, on se rapproche plus du peut-être des stéréotypes, des clichés du poète. Du poète maudit. Meurtrier. Oui. Puis je dois en avoir une part. Je dois en avoir une part en moi. Ça fait longtemps que tu écris de la poésie, justement. Ça fait longtemps. Poésie, c'est tellement. Ben écrire des textes, c'est écrire. J'écris depuis je sais pas, tu sais. Ouais, là. Je dirais que j'ai pas 15-16 ans, tu sais. 15 ans, tu sais. Des petits. Des genre d'historiettes. Ça a dope, là. Des petits délires. Un cross délire. Tu te mets à raconter des conneries à tes chums. Tu te mets... j'ai de l'imagination. Je vais écrire ça. Puis, à l'adolescence, je commence à écrire d'affaires. Hein. Comme ben du monde, t'sais. Le volet plus chanson, parce qu'on peut écrire, des romans, on peut écrire des scénarios, on peut écrire de la musique, des chansons. Donc. Chansons, quand j'ai commencé, j'avais un band, comme ben du monde à l'adolescence, j'avais un band de cover, adolescence, début âge adulte, d'ailleurs avec le guitariste des Ghouls, Ken Pavel, puis on faisait des covers, puis à travers ça, tu sais... J'ai toujours été bien attiré par la compo. Puis vu que j'étais dans une espèce de mood, j'écris. Mais là, tu sais, essayer d'avoir des compos à travers les covers. J'ai commencé à gratter la guitare. Puis c'est là, tu sais, que j'ai vu que c'est pas si sorcier de trouver quatre accords qui font une mélodie puis qu'on peut mettre des mots dessus. Fait que j'ai commencé de même. Comme tout le monde. Puis j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Peut-être dans le temps justement que j'étais à Joliette. Mais ça, Joliette est venu après les bandes de cover. Là, oui, Joliette. J'étais allé à Joliette aussi. Je m'étais fait crisser du groupe de cover. Je m'étais fait crisser dehors du groupe de cover. Donc, en révolte. Faut le camp d'ici. Ma vie va nulle part. Je m'en vais à Joliette en chant classique. Fait que. Là, c'est là que j'avais écrit pas mal des tunes. Justement, je pense que Labrador, ça date de là. Rue Richard, qui est une rue. Quand même, oui, là. Donc, toutes des tunes que j'ai
Petite fille, ça, regarde, ça vient de là. Petite fille qui est pas sur un album, mais qui sort des fois, qui est sur une compile depuis 572. Pour ça, je suis parti en Europe, chanter dans la rue, puis voyager en chantant dans la rue, l'équivalent de 2 ans. Puis c'est là que j'ai je me suis mis à écrire pas mal de tunes. Ouais, quasiment toutes les tunes des animaux sont là-dessus. Je chantais des covers de Renault. Puis... dans tes textes, il y a un mélange de poésie, de joie, d'émotion, de provocation. Ton style, en fait, est-ce que, encore une fois, c'est venu tout seul? Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'avoir des textes colorés qui sont quand même très québécois, mais qui en même temps... Je crois qu'il y a un mélange de bien français aussi. Moi, justement, tu sais, j'ai bien trippé Bérurier Noir, justement, puis c'est peut-être là que j'ai commencé à justement raconter des histoires. Ensuite, tu sais, j'ai bien trippé sur Renault, évidemment, puis Mano Solo, puis les groupes punk français, là, Wampas, Sheriff. Puis québécois, Jean Leloup, j'étais très jeune, tu sais, les premiers Jean Leloup, j'ai écouté beaucoup. Mais je dirais que le Keb, c'est vraiment mon espèce de flash Keb, même si j'avais écouté du Plume, même si j'avais écouté toutes les vieux Keb. Les classiques. Ouais, toutes les classiques. Mais c'est quand j'ai découvert Desjardins. Quand j'ai découvert justement Desjardins, tout en justement le clash avec Mano Solo, Renaud, etc. Là, ça a comme ouvert. Parce qu'avant ça, j'écrivais peu en Keb. Puis là, ça a comme... Ça t'a ouvert. Ah oui, totalement. T'sais, à quel point c'était, il y avait des possibilités et que c'était riche, le Keb. Tout en gardant quand même le côté... Il y a des tunes même encore... si tu regardes sur du plaisir des bandes, il y a plein de tunes, il y a pas Keb, puis il y a d'autres tunes, c'est bien Keb. Fait qu'on dirait que ça va dépendre de qu'est-ce que la mélodie, qu'est-ce que la tune, qu'est-ce que le propos appelle. En fait, je vais me demander, est-ce que tu écris des fois autre chose? Beaucoup de chansons, mais est-ce que des fois, est-ce que par exemple, as-tu un recueil de poésie de cachet? As-tu un roman en tête? Ah, des romans, c'est, j'en ai 25 en tête. Là, j'ai écrit du théâtre pour dans le temps que j'enseignais ça aux kids, je montais des pièces, donc j'ai beaucoup de piécettes de théâtre. J'ai pas mal d'écrits, mais c'est pas des poèmes, il y a des affaires, j'ai plein de paperasses, donc je me dis tout le temps faudrait que je trie ça puis que je fasse quelque chose avec ça, mais j'aimerais bien écrire d'autres choses. Sauf que là, en ce moment, c'est pas mal la musique, là. On verra bien comment ça va aller. Tantôt, t'as dit que c'était les belles années, les ghouls. Justement, revenons sur cette bête qu'est les ghouls. C'est un trip d'amis avant tout, là, la naissance. Oui, tout des bons. Je pense qu'on est, trois gars de Saint-Og quand on a vécu notre adolescence à Pavel, je le connais depuis la maternelle, puis Rabin, c'est ça, un peu plus tard, mais quand même passé pas mal des bons amis, puis Claude, puis Igard, je veux dire aussi, c'est un trip de chum. Oui. Comment c'est né en fait? Ouais, je m'étais booké des shows à l'Astradamus, puis j'avais demandé à Pavel de m'accompagner. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je revenais d'Europe. T'sais. Puis Claude était le coloc de Pavel, puis Claude, je le connaissais aussi d'avant, t'sais. J'avais déjà croisé. Fait que, puis il jouait de la bass, fait que, on va présenter quelque chose à trois. Puis entre-temps, on s'était vu chez Rabin, pour déconner, prendre la bière, puis en même temps, on avait donné un petit clavier à Rabin. Puis, c'est plus des belles soirées de se péter à la face, puis de faire juste autre chose que juste se péter à la face. Mais on faisait de la musique, mais sans aucun but. Puis,
un show à l'Astradamus, c'est ça. Pavel puis Claude étaient là pour m'accompagner. Puis on faisait des tunes des années monsieur, tu sais. Puis je pense Rabin, il était venu lire un passage de la Bible, tu sais. Puis après ça, on s'était vu. On avait monté, on avait 3-4 tunes. Je me souviens plus trop. Là, on avait quelques tunes. Ça se peut qu'il y ait du flou autour. Ouais, c'est ça. Je ne dis pas que tout ça est au détail près vrai. Mais il y avait comme. T'as rendu qu'on pouvait faire une partie, genre, de mes tunes, puis une autre partie des tunes qu'on faisait, qu'on avait faites en peu de temps. Il y avait les Capitaines Robots, des taupes. Je pense qu'il y avait déjà Crabbe. Il y avait quand même une couple de. Des beaux délires, quand même. Oui. Puis donc, avec mes tunes, puis ces tunes-là, ça faisait un petit show. On présentait ça à 4 à l'Astradamus. Puis dans la salle, il y avait Igor qui était là, puis qui avait trippé, qui était venu nous jaser après, puis blablabla. Le reste, Igor était venu jammer, puis ses baguettes étaient prises. Il avait lancé ses baguettes, ça restait pris au plafond, on savait que ce serait lui le drummer. Puis c'est parti comme ça, de l'Astradamus, puis. D'un espèce d'élan très. Les pièces du premier album ont été extrêmement rapides, là, en termes d'écriture et de composition. C'était comme une belle grosse bouffée d'air frais. Moi, justement, j'étais pogné dans mes tunes, puis j'avais déjà entamé l'enregistrement, justement, des tunes des années monsieur. J'en avais quelques-unes, puis ça me plaisait pas vraiment. Ça coûtait cher, puis c'était des arrangements, puis tatata. Puis c'était trop sérieux, je pense, à l'époque, pour moi, là, c'est de faire un album bien sérieux, avec bien du monde, puis tout. Fait que j'ai mis ça de côté, puis j'avais foncé dans les goules pour me faire du bien. Puis je savais qu'il y avait quelque chose de beau, de vrai, puis de libre, très libre, là-dedans. C'est là que le nom Kid Kuna est arrivé. Avant, le pseudonyme n'existait pas. Ben non, on s'est tous donné des pseudonymes en très peu de temps. Puis qui venaient d'impro qu'on faisait, je pense, dans une toune. Je disais Kuna. Puis là, tu sais, ou encore, puis quand Rabin, c'est parce qu'il était venu lire un passage de Bible, il y avait une petite kippa, fait qu'on l'a appelé Rabin. Ça c'était très, très. Puis, c'était fait très rapidement, puis dans le rire, tu sais, Kid Kuna, oui, Ken Pavel, Rabin Kramaslavovich, c'est tous des noms de battes, là. Pensais-tu que ce nom-là allait te durer aussi longtemps? Ben non, c'est ça. Tu sais, on faisait ça, tu sais, on n'avait aucune attente, tu sais, on avait fait l'album, l'album en quelques, je pense en deux nuits blanches, tu sais. C'est fait tellement sans attente. On a fait des préventes. On l'a fait plus pour les gens qui autour de nous. Puis on l'avait envoyé à personne. On n'avait pas de distributeur. On n'avait même pas envoyé. On l'avait envoyé nulle part. On l'a fait, c'est tout. Puis d'un coup, je me souviens, je mangeais un Subway. Je mangeais un Subway. Puis d'un coup, je feuilletais le voir. Puis d'un coup, pouf, une critique de l'album Les Goules par David Desjardins. Hey, fuck! Ça sort je lis ça, tu sais. Hey, en même temps, cool, une critique, mais j'appelle Rabin. On a-tu envoyé le disque au voir? Non. Fait, on l'avait pas envoyé, mais je pense que c'était pas. Le mot s'était passé. Puis, donc, quoi. C'est quand même trippant. Là, pour, à partir de là, ben là, on a essayé de faire. On s'est dit, ouais, il y a peut-être de quoi faire. Hein. Puis à l'époque, il y avait Local Distribution qui existait, la Sopref. Puis on l'a envoyé aux radios étudiantes qui ont embarqué à fond. Fait que, t'sais, tout s'est placé, mais. C'est ça, c'est les goals. Hein. Au départ, bon, vous étiez déjà déguisé dès le début. Ben, c'est l'époque que je donnais des cours de théâtre au Flo. on prenait des déguisements qu'il y avait dans mon coffre de char. Il y en avait un paquet. Fait que, justement, avant l'Astradamus, on avait ouvert le char. Là,
chacun prenait un morceau. T'sais. Les déguisements sont venus de là, là. Mais ça, c'est un désir de rire des bands du glam rock comme Kiss, non? C'est non, juste un je pense un désir de faire n'importe quoi, de déconner. Puis après ça, on a eu. L'époque Memories, on avait travaillé nos costumes, mais c'était lettre. On a vu une tentative. C'était tellement lettre. À part, Igor, t'as pas pire. Igor, ouais, mais pour lui, il devait faire chaud dans son costume avec Igor. Igor, Igor, puis Robin, t'as pas pire. Je pense qu'on s'est trouvé un peu aux animaux. Là, genre, hein, on a une uniformité un peu. Ah là là, les grands stylistes, les gars. Parlons justement du deuxième album, ça a pris du temps avant qu'il sorte. En fait, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez eu le temps de tourner les chansons en show, et tout, mais voilà. C'est ce qui arrive des fois avec des albums. T'sais. Ça a été long. mais vous étiez vraiment sur une vague. Je me souviens, les gars à l'époque, en fait, vous êtes vite devenu une légende un peu à Québec. Vous étiez un groupe fort de la région rapidement quand même, avant même le Memories. Le premier album était cool, là. Je veux dire, en termes de petits... Il y avait un imaginaire, il y avait des tunes qu'on se donnait. Ce qui est, genre quand on a lancé le deuxième album, tout le monde connaissait les tunes. Tout le monde chantait les tunes. Donc, c'est un peu étrange. Le troisième était plus lourd, plus métal. C'était un virage, j'imagine, quand même volontaire de votre côté. Oui, mais qui s'était fait aussi naturellement. Déjà dans Memories, on sentait déjà des pièces avec plus de surprises au niveau des structures. Quand même tous des fans un peu de métal. Là, et puis ça ressortait à longue. Puis en même temps, c'est très. J'aime beaucoup le troisième album. Là, je trouve que. C'est intéressant qu'on soit allé là. Mais je trouve que les trois disques ont quand même leur personnalité, leur identité, ça. Puis y a rien de. Je pense qu'il n'y a rien de réchauffé. On n'a pas suivi un mode d'emploi. Avec le temps, vos spectacles, bon, au début, déguisement pour le fun, comme ça, on s'amuse. Mais avec le temps, la mise en scène a pris de plus en plus pas le dessus, mais c'est quand même pris beaucoup de place. Chorale, des danseurs, des figurants. Vous avez eu un prix miroir même pour vos spectacles dans le Festival d'été de Québec, donc c'est une grosse part. Oui. Ah, t'es en feu à cette époque-là, oui. Bon, tant qu'on s'en est tête, là. ce désir d'en mettre toujours plus. Ben, c'est la notion de spectacle, je pense. D'aller voir, de pas juste aller voir un band qui joue. Ce qu'on voulait créer aussi, c'est quand t'allais voir les Ghouls, c'est que c'est un peu un événement. On voulait que les gens ressortent de là, puis ok, ouais, j'ai vu quelque chose. J'ai vraiment trippé, j'ai eu du fun, puis j'ai vu quelque chose. Non, mais plein la vie. Ouais. Ben, le plus qu'on pouvait, tu sais. Puis je pense que c'est ça, on a souvent. On a grandi dans un show, au Colisée avec des ben du visuel et tout. Je pense que ça nous a marqué un peu. Puis justement, l'univers de Béru aussi, qui. Ça rejoint plein des affaires qui. Et la fin est venue. C'était un. Ah, c'était une espèce de par la force des choses, peut-être. Puis par souci de bien faire ça. Ça faisait. 6-7. On a fait quoi, 6-7 ans? 7 ans? On a fait 7 ans? Juste avant le troisième album, mais. Il y a les petites familles qui s'en venaient. Tout le monde bossait. Après ça, Igor était appelé à déménager. Il avait déménagé. Il était à Montréal, là. Oui. Puis, on gagnait pas. Tu sais, c'est beaucoup. Je pense à un effet fatigue. Puis, désir de pas se faire chier avec ça. On sentait peut-être que si on. On continuait, là, ça deviendrait peut-être un peu lourd. Ça va bien, mais on va faire le prochain disque, on va faire la tournée qui va avec, puis après ça, on arrête, on verra combien de temps, mm-hmm. Peut-être on suspend tout ça. T'sais. Puis c'était tout le monde était hyper d'accord, puis ça allait de soi, puis
puis il y avait pas vraiment de mauvaise ambiance. C'est beaucoup d'énergie. C'est nous, tu sais, on n'a jamais eu de booker. On a toujours, tu sais, c'est nous, les ghouls, qui appelions les places. Hey, salut, on peut te... Ça, c'est gossant. C'est une genre de job vraiment de tu sais, t'es trop collé sur toi, tu sais, pour... C'est comme de la vente, c'est dégueulasse. Il y a eu quelques retours aussi. Ouais, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir en disant oui une fois. On a été pris pour dire oui 3 ou 4 fois. Ça. Ouais, 4 fois, je pense. C'est super le fun, mais en même temps, il y avait d'autres demandes, une fois que tu ouvres la porte. Puis il fallait qu'on dise non, okay, stop. Là. Si les ghouls reprennent du plancher, un de ces quatre, ça va être parce que... Ils vont avoir du nouveau stock, c'est sûr. T'sais. Est-ce que dès la fin des ghouls, tu savais que tu allais faire des trucs en solo? Ah, ben j'avais... Ouais, ben j'ai commencé dans l'année qu'on a sorti les animaux, puis qu'on faisait nos shows. Ben moi, j'avais attaqué dans... Parce que je m'étais dit, il faut que j'enregistre ces vieilles tonnes-là. Là, ouais, ben là, ça datait. Oui, j'ai le Labrador qui date de 95, tu sais. Ben, je savais qu'il fallait que je fasse, que j'enregistre cet album-là de vieilles chansons avant de pouvoir me mettre à écrire d'autres chansons. Est-ce que c'était clair, tu allais garder le nom de Kid Kuna à ce moment-là? Non, absolument pas. Ça a été un questionnement même quand il est venu l'heure de faire la pochette. T'sais. Puis en même temps, je me disais, bon, ça fait 7 ans qu'on m'appelle Kid Kuna. Enfin, il y en a plein qui pensent que c'est ton nom, malgré l'étrangeté, la quasi impossibilité que quelqu'un s'appelle de même en étant né à Saint-Augustin-des-Morts. les Français ont de la misère à dire Kate. Ils disent quoi? Kiss. Kiss? Oh. Kiss. Oh, tout le temps, je n'en sais pas Kiss. En faisant ma recherche, je suis tombé sur Elle Québec, qui parlait que Les Amis Monsieur était un disque à découvrir. Je trouvais ça drôle quand même, voir Kid Kuna dans Elle Québec. T'imagines, moi, comment j'étais surpris. Les Amis Monsieur, oui, ont été... Il y a eu une visibilité. Quand on a sorti le disque, j'avais pas de musicien. Je veux dire, moi, j'étais débarqué chez Tristan avec ma guitare. Puis, donc, quand mon premier show, quand j'ai fait le lancement de Des Années Monsieur, c'était... Mais tu portais même un CD, hein? C'était terrible. T'avais ton DJ. C'était terrible. Mais bon, tu sais, je faisais des tunes de guitare, j'en faisais d'autres avec un CD avec des Novox dessus. Avec une espèce de marionnette, DJ Retard. Ah, c'est wow. Ça, je cherchais son nom. Wow. Donc, je pense que j'étais pas nécessairement prêt. Donc, cet album-là a permis de m'habituer peut-être au fait que j'étais plus avec les ghouls. Mais c'était de être prêt à assumer tout ça, à prendre la scène, à savoir qui j'étais, dans le fond, en termes d'auteur-compositeur qui livre ses chansons plus personnelles que les ghouls. T'sais, c'est pas du tout le même univers. Guitare solo, il y avait quand même un bon clash. Là, tu sors des ghouls là, pendant 7 ans, puis oups, guitare solo, ok, puis trouver d'autres musiciens, monter tout ça, créer une chimie. Donc, cet album-là était un bon album pour tranquillement me créer un band, puis une façon d'être qui soit Kid Kuna, tu sais. Ben en fait, justement, j'ai l'impression qu'on a retrouvé véritablement ton son sur du Plaisir et des Bombes. J'aimerais peut-être revenir à cet album-là, parce que tu étais déjà en train de faire Voyage d'hiver, mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, bon, tu disais tantôt, tu avais comme un besoin là, de sortir quelque chose. Oui, puis ça faisait comme... c'était un moment où je m'enlisais un peu, tu sais, il n'y avait pas... pas vraiment de réalisateur pour le Voyage d'hiver, il n'y a pas vraiment, tu sais, les textes étaient durs à écrire, je faisais plus beaucoup de shows, puis c'est ça, j'étais au bar avec, encore, non, Tristan, c'est là, lui, qui m'avait dit, parce que je parlais de Schubert, j'aurais besoin de d'écrire une couple de tunes qui soit pas de Schubert. T'sais. Puis j'avais pris ça comme un peu comme une espèce de défi. Là, t'sais. Il me disait
Non, là, une coupe de tonne de 3 minutes 43. Là. Un bon 3:30 qui passe à la radio. Fait que tu sais, parti avec. Ok, ouais. On va faire des tonnes de 3 minutes 43. Fait que j'avais fait entre les vagues, puis pas de panique. Qui était vraiment 3 minutes 43, là, pas mal. Là, mais ça m'avait comme donné un élan. C'était de tomber là-dedans, puis j'avais fait waouh, c'est cool. T'sais, moi, je suis mûr. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de tonne. Tu étais surpris par la vague Vatican. Il y a quand même eu un. Ouais. Un engouement pour la pièce? Oui, puis non. Peut-être t'es surpris par rapport au prix Socan. C'est là que j'ai fait, OK, ouais. Là, t'sais. Puis en même temps, je me méfie beaucoup de je me méfiais pas mal de cette espèce d'engouement pour Batiscan. Il y a un côté... j'aime cette pièce-là, je l'ai pas écrite pour rien. Mais le côté, genre, qui va chercher les gens, je trouve tout en ça un peu... délicat, je veux pas trop jouer sur cette corde-là. Mm-hmm. Donc, l'album, ça t'a amené à la disque. Est-ce que tu te penses, est-ce que tu te voyais un jour à la disque même? Non, est-ce que je me voyais à la disque un jour? C'est pas non plus incroyable. Non, mais je pensais pas que cet album-là serait nommé dans trois catégories. Auteur-compositeur, ouais, entre autres. Ça, t'sais. Donc, oui, j'ai été surpris. Je savais que Pas de panique était catchy. Je savais que Tic Tac l'était aussi. Je savais que la panne, déjà quand je la jouais en spectacle avant d'enregistrer l'album. T'sais. Je savais que la réponse était là. Là, ça s'est bien. Ça a été juste correct. Je trouve que ce qui est le fun, depuis le début, c'est une lente croissance. Petit à petit. Ouais, puis ça repose, je pense, sur le long terme, puis d'aller chercher les gens tranquillement, mais que ceux qui embarquent, tu sens qu'ils sont là pour un bout. Fait que... En même temps, bon, tu as eu ces nominations-là, le prix Socan, quand même une demande de plus en plus pour tes spectacles. Tu aurais pu quand même surfer là-dessus, bâtir là-dessus, puis tu es parti en France? Tout d'un coup, paf, 6 mois. Ouais, mais j'avais un appart gratos. Ouais, mais en même temps, c'est cool d'aller en France. Puis, la France, t'as la possibilité de faire. C'est beaucoup de monde. Tu peux faire des shows en masse. T'as été 6 mois là-bas, c'est ça? Ouais, 6 mois. Après ça, je suis revenu. Je suis retourné 3 semaines avec tous mes musiciens. Puis ensuite, je suis tourner 5 semaines en piano-voix, parce que les six mois que j'étais là, c'était piano-voix. J'arrive, je suis pas débarqué en France avec la grosse équipe. Avec la grosse machine. T'sais, je sais que mes tunes passent. T'sais, ça passe pas à radio. J'ai bien de la misère. Hein, même du plaisir des bombes. Je l'entends jamais. Genre, à part à CKRL, puis... C'est ça, de temps en temps, Radio Cannes, mais c'est pas non plus... quasiment, il faut qu'il y ait une demande spéciale. Le simple fait d'avoir un booker là-bas, puis un bon booker, tu sais, c'est une équipe qui croit au truc, puis qui pousse, puis que j'ai réussi à faire des méchantes belles dates, puis beaucoup de dates. J'ai fait des premières parties de Richard Desjardins, c'était quand même cool, là, t'es présentement beaucoup dans Voyage d'hiver, évidemment. Il reste les représentations à Québec. Qu'est-ce qui attend Kitkuna après? La fameuse question. Ben, après, je vais sûrement écrire une couple de tunes. Mais après, je vais... Les 343? Je sais pas trop. En fait, c'est ça, le Voyage d'hiver vient comme de... peut-être de... Je sais pas ce que je vais faire. C'est ça qui est intéressant. Déjà, là, j'ai eu l'occasion, c'est quand même aussi une belle opportunité de faire la musique pour la pièce La République du Bonheur. Oui, ben oui, c'est vrai. Puis c'était juste la musique, là, je partais des textes écrits. Fait que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis finalement, ça a été cool, ça m'a emmené ailleurs aussi. Fait que je sais pas ce que je vais faire après. Je sais pas si... T'as pas un autre désert d'album, là? Ah, ben, oui, mais j'ai quand même un désir de refaire des shows en band. C'est super cool jouer avec
10 musiciens, puis des cordes, puis des cuivres. Sauf que, tu sais, le côté, côté simple et énergique d'un show à 5 rock, c'est cool. Mais on va voir. De toute façon, tu sais ce que. Avant de commencer à écrire du plaisir des bombes, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mm-hmm. Puis, on va demander à Tristan qui te lance un autre défi. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me lancer? Peut-être en terminant, tu as dit que tu as cessé de fumer là, pour Voyage d'hiver. Vas-tu recommencer le 20 février? Je sais pas. Je sais que j'ai le droit à partir du 19. Je me suis dit non. 19 après? Oui, après le show. Je me suis dit, quand j'ai arrêté, je me suis dit, tu fumes pas avant la... 19 février, avant que les 4 shows du Voyage d'hiver soient faits. Fait que je sais pas. Ce que je vais faire. Mais il me semble que ça sent pas bon. Kid Kuna, merci. Donc, ce soir, 18 et demain, 19 février, Voyage d'hiver au Grand Théâtre, 2 représentations. Merci, Kid Kuna. Plaisir, merci.